Qu'est-ce que vous faites ici? Je n'aime pas du tout comment les choses ont commencé. Oui, mais c'est pas très grave. On n'est pas obligé de se revoir. Monica, votre présence dans l'émission est ma dernière chance. Je suis désolée pour vous. C'est un concours de talent pour enfants. Non. C'est une émission différente des autres. Désolée, je suis pas intéressée. Non mais réfléchissez un peu. Tous les enfants sélectionnés pour l'émission pourront montrer ce qu'ils savent faire. Ils bénéficieront de cours dispensés par des coachs en chant, en danse, dans n'importe quelle discipline. Laissez-moi vous aider. Non, ça va, je peux me débrouiller. Et arrêtez de dire nous, il n'y a pas de nous, il n'y aura jamais de nous. Je comprends pas comment vous pouvez être aussi bornés. Laissez-moi tranquille, j'ai rien à vous dire et je travaillerai jamais avec vous. On vous donne l'assurance que chaque gamin éliminé sera redirigé vers un centre culturel de la ville pour qu'il continue à développer ses compétences. Monica, je vous assure, c'est ce qu'il y a de mieux pour les enfants. Et en plus, une partie des revenus publicitaires sera reversée à des orphelinats. Par ailleurs, je me suis permis de dire au producteur que j'avais besoin d'une vraie pédagogue. Mais je veux bien le faire, moi. Désolée, ma chérie, mais vu ta tête, t'es plus faite pour les émissions de radio. Vous pensez que je pourrais faire l'affaire? Parce que toi, t'as la tête pour faire de la télé. Bien sûr que oui. Je ne travaillerai pas avec vous, vous trouverez bien quelqu'un d'autre. Oh, je suis dispo. J'ai manqué quelque chose.